Bonjour à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur le jeu Last Day on Earth. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel an chinois, ça y est, donc la mise à jour 1.20.17 est apparue hier. Et donc aujourd'hui, nous avons accès à ce nouvel event donc du nouvel an, le nouvel an chinois. Et donc nous avons l'événement de saison, le jardin caché, qui vient de pop sur la map. Et nous avons en tout 11 jours, puisque bon, bah, ça a commencé à 1h du matin. Donc 11 jours pour pouvoir faire cet event dans le jardin caché. On sent le doux parfum des fleurs de cerisier et les lanternes diffusent une douce lumière. Qu'est-ce qui pourrait bien briser cette harmonie? Voilà. Donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais juste avant... Hop, fermer. Ok. Il est là. Très bien. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai sur moi? Bah écoutez, je pense qu'on est déjà pas mal en fait, on va aller avec ça. On va y aller avec tout ça déjà, et puis on va voir comment ça va se passer. Alors sachez que je ne me suis absolument pas fait spoil, vraiment, ça va être une découverte, mais à 100% de cet event chinois de cette nouvelle année. Alors j'imagine évidemment qu'on va retrouver des trucs qu'on a trouvés par le passé, comme un défi avec Mulan, comme l'ancien, comme peut-être le boss, là, je sais plus comment il s'appelle, le Nian, voilà. Tous ces mecs-là. Monstre ancien, allez dans le jardin caché. Très bien. Et ben allez, on y va. C'est parti, on perd pas une seconde. On y va tout de suite. J'ai pas regardé au niveau des récompenses s'il y a quelque chose là qui aurait changé. Je n'en sais absolument rien. Événement. Le chant du soleil et de la lune. Bien. Ok, donc là on a un sac à dos qui ressemble à une maison typique de Chine. On est plus dans le Japon même, je trouve, mais bon. Ici, ah ouais. Ah, elle a de la gueule quand même, celle-ci. Elle est pas mal, j'aime bien le petit masque avec le petit chapeau, genre samouraï, là, c'est cool. C'est cool, c'est pas trop en rapport avec Last Day, mais enfin, non, pour le coup, c'est pas mal. Puis la moto, ouais, elle est pas mal aussi. Elle est pas mal, elle est bien. Aile du dragon. Très bien. Allez, allons voir ça. Jardin caché. Ouais, j'espère qu'il va y avoir 2-3 petits trucs nouveaux quand même. Ce serait plutôt pas mal. Je vous ai pas fait de vidéo hein, récemment. C'est vrai que j'ai eu bah, déjà IRL. J'ai pas beaucoup de temps clairement à consacrer aux vidéos. J'en ai pas eu non plus pour le jeu. Je n'ai absolument pas avancé hein, depuis la dernière fois. Le peu de temps que j'ai, c'est ce que j'ai dit sur Discord. Le peu de temps que j'ai pour jouer, je le consacre actuellement à Palia. Voilà, donc sur Last Day on Earth, franchement, pour l'instant, je ne touche plus à rien. Je suis clair avec vous, mais et j'insiste là-dessus, ne mettez pas est-ce que tu as arrêté le jeu, machin. Non, je n'ai pas arrêté de jouer à Last Day on Earth, je continue à y jouer, la preuve, mais beaucoup moins en ce moment. Voilà, peut-être que dans les semaines à venir ça ira un peu mieux, mais en tout cas actuellement je ne suis pas du tout sur Last Day on Earth. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, d'abord le fermier. Ouais, d'accord, vas-y. Là, j'ai 10 charbons. Alors, on va les prendre. Très bien. Là, j'ai déjà des fourneaux. Écoutez d'abord le fermier. Écoutez d'abord le fermier. Écoutez d'abord le fermier. Très bien. Ben, on va aller écouter le fermier. C'est lui le fermier? Sage. Qu'est-ce qu'il a à me dire? Bienvenue dans mon jardin. Tout obéit aux règles de Feng Shui. Ouais. Ici, laisse-moi te faire visiter. Voilà, bon, je vais vous passer tout ça en accéléré. Hein, parce que je pense que l'histoire, vous en avez un peu... Enfin, vous l'avez déjà vu, quoi. Emmène des friandises pour apaiser les esprits du domaine. Très bien. Donc là, j'ai une petite flèche. Aller au domaine du soleil. Donc ça doit être l'event qui va pop, dans lequel il va falloir, j'imagine, aller chercher les items pour augmenter la réputation. Et ensuite, eh ben, on va voir au niveau de cette réputation, justement, comment ça va se passer. Alors, le domaine. Ouais, ok. Établi. Domaine du soleil. Voir. Bon, ah, putain, il est pas tout à fait à côté quand même. Ok, donc on peut passer avec des rations jusqu'à 5. Donc là, on est sur le même schéma en fait que les veines de Noël. Sauf que les items, c'est du kumquat, c'est du blé et c'est du riz, d'accord. Puis le reste, bon, bah, c'est de la dope, quoi. Ok, allez, on va aller checker ça. Ouais, alors si c'est... après, je vais y arriver. Si on est dans la même trempe que les veines de Noël... Ouais. On va regarder.
On va regarder. Il y a peut-être des nouvelles armes aussi, je suis en train de penser là. Si on est comme sur l'esprit des derniers events, bah, Noël notamment et celui d'avant, là, je me souviens plus. Où il y avait également des. Ah ouais, d'accord, on retrouve. Ok, on retrouve la même zone. Très bien. Vas-y, passe-moi ton blé. J'ai piqué du blé. Cra. Tac. Ok, on est sur du 29 de dégâts. Donc là, pour l'instant, c'est pas des zombies qui pourraient éventuellement résister à un certain aux armes et puis qu'on soit obligé, si vous voulez, d'utiliser d'autres armes. Apparemment, pour l'instant, ça passe. Là, on a du blé. Ok. Ici, on a un coq-coffre. Mais ouais, le katana, vas-y, du kumquat, allez, du riz, très bien. Ici. J'en chie. Faut que j'arrête de faire l'idiot. J'en chie. Allez. C'est son nom, hein, c'est pas moi. Hein. Hop. Après, s'il a la gastro, j'y suis pour rien. Hein. Clairement. Hein. Donc là, ok. Oh, c'est joli ça. Ah bah tiens, un kumquat. Ah, c'est cool, on peut les récolter. C'est génial. Et là, on peut les ramasser aussi, ceux-là? Non, on peut pas les ramasser. Alors. Voilà. Récolter des kumquats. D'accord, c'est la quête. Ok. Allez, il y en a un deuxième. C'est ce qu'indique la flèche blanche en fait. Parfait. Et le dernier va être, je sais pas. J'en ai deux. Oui, ok, il est par là. Allez, viens là. Bon, pour l'instant, c'est easy, hein. Franchement. Un tuyau, vous voyez, ça suffit largement. Il n'y a pas d'échelle pour monter sur les toits. Dommage. Bon, ça viendra peut-être plus tard, hein, du coup. Je vais prendre tous ces petits matos, là, on sait jamais s'ils me le demandent. Je vais peut-être dû prendre les trucs en métal aussi, les ferrailles. Vas-y. Donc là, les items, c'est temporaire. Déjà, ça veut dire qu'à la fin de l'event, ils vont disparaître. Il y a une petite boussole, enfin une petite montre dessus, donc voilà. Ce n'est que temporaire. Hop, hop, ok. Ici. Il est là, le Kumquat. Tac. Allez, voilà. Et retourner dans le jardin secret. Oui, bah attends, je vais quand même vider les coffres, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Tac. T'as du blé? Ouais. Ouais, je prends son blé. Allez hop. Ah bah tiens, un petit. Allez, les deux pansements que ça m'aura coûté. Je vais prendre ça. Bon, le reste, ça va. Et pour l'instant, ça a l'air d'être à peu près bon. Je ne pense pas. Ah si, j'ai oublié des trucs là. Je vais pas pouvoir le cesser, lui. J'aurais pu peut-être. Ah si, ça. Cra. Tac. Et tac. Ouais, bah tu sais quoi, je vais faire comme ça plutôt. Et là, j'en ai encore un. Mais ouais. Ça m'en fait 4 en tout, en fait. Donc là, c'est bon, hein. C'est la zone. Alors j'imagine qu'elle se reset. Que l'on peut éventuellement la reset aussi avec des rations. J'ai pas vérifié ça, mais à mon avis, c'est tout à fait possible pour pouvoir récupérer un petit peu plus de ressources. Tout va dépendre du système de réputation, comment ça va augmenter en fait. Ben, j'imagine hein, qu'il y a un système de réputation comme un pass de l'an avec l'ancien, on va dire. On va aller regarder ça ensemble, mais j'imagine qu'il y en a un. Et là, je pense que j'ai à peu près tout pris. Allez, ben, on va aller directement donc au jardin caché. Et puis, ben, on va voir ce qui s'y cache. Hein. Bon, un café, moi. Excusez-moi.
courir. Allez. Hop, on est au jardin caché. Alors. Ok, il faut que j'aille d'abord écouter encore le sage, qui s'appelle le fermier. Bon, on va parler au sage, hein. Tu as des graines et des tiges, cuisine-les à l'aide du fermier. Ah, les esprits adorent le. Ok, le riz. La galette des rois. Je sais pas. Je sais pas. C'est toi le fermier. Bonjour. Mes genoux et mes bras font un peu mal. Ah ouais, bah je m'en fous. Ouais, moi aussi. Et alors? Je ne peux plus travailler dans les champs. Tu devrais prendre le relais. Mais ça va? Ça m'emmerde pas. Tu m'as rien demandé, quoi. C'est comme ça, vas-y. Ah mais carrément. Ok. Et donc, ouais, je plante. Vas-y, on en met 20. Ok, 2 secondes, ça va. Ça va, c'est bon. Non, c'est du blé qu'il fallait que je mette. Ça y est, tu peux mettre le riz dans le cuiseur à riz. Ouais, mais je l'ai posé là, en fait. Non, attends, c'est les graines de riz. Graines de riz, ça fait du blé, et le blé. Putain, mais qu'est-ce que je fais, moi? Non, mais. N'importe quoi. Mais je vais pas mettre les. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Non, faudrait que j'attende peut-être que ça fasse. Il y a des recettes. Voilà. Je vais y arriver. Voilà. Et voilà. Mais oui. Ah, 1 seconde. Ah ouais, non, c'est cool ça. Ah non. C'est pas cool. 20 minutes. Mission accomplie, tu t'en sors bien, ouais. Viens tous les jours pour prendre et planter des graines. D'accord. Bienvenue dans la rizière. Bah écoute, je t'en prie, c'est un honneur. Vraiment, c'est. Bon bah je vais poser ça. Attends, on va faire comme ça plutôt. On va séparer. Ça fera moins long. Là. Et puis là, ouais, 11 minutes, vas-y. 12 minutes. C'est vachement long en fait. Là. Et donc là, ok. 20 minutes, la vache. On peut passer avec les pubs. Je vais juste regarder quand même un truc avant. Donc ça ok, j'ai ça, j'ai ça. J'ai du blé, mais pour l'instant j'ai l'impression que le blé ne sert que à lui. Mettez la nourriture sur l'autel de rituel. Ça doit être... Non, ça c'est quoi ça? À débloquer en terminant le défi de Mulan, d'accord? L'hôtel du rituel, il est où? Ça a un petit peu changé la zone là quand même. Ici, il y a un toutou. Salut toi toutou. Ça doit être ça l'hôtel du rituel. Ah, voilà. Voilà. D'accord, on peut poser du blé et du riz également. Alors, le blé, 3 points. Le bol, 30 points. Ouais, ok. Et le poum 4, hop. 15 points. Obtenez votre récompense auprès du sage. Ah, réputation niveau 2. Bon. Voyons voir. Oh! Le Yan Yue Do. Le Yan Yue Do. Une création des armuriers de l'Est. Dégâts contre les armures centenaires. Ah ouais. Un vinyle chant du soleil et de la lune. Mais ouais. Et puis, bon, des points de répute, 2 badges bleus, ok. Encore des points, pas de répute, des points de saison. Ah, de l'acier, ça c'est cool. Le sac à dos, donc ok, on est sur le sac à dos. Il y a là le nombre de levels, quoi. 10 titanes. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? On sait pas. Obtenir un chiot Rottweiler de rang 1, 2 ou 3. Chaque ouverture. D'accord. Et donc la tenue qui va être level 45. Bon, bah écoutez, très bien. Je vais faire un point sur les différents levels. Je vais aller checker à droite à gauche, voir
voir ce qu'il faut. J'ai aucune idée, hein, j'ai aucune conscience de savoir si c'est si ça va être facile ou pas à farmer. Pour l'instant, j'ai vraiment pas du tout de recul pour juger et vous dire quoi que ce soit là-dessus. On va faire la petite quête. C'est toi, Mulan? T'es où, Mulan? C'est toi, Mulan? T'as changé? T'es fait couper les cheveux? Ouais, t'es fait couper les cheveux, toi. Bon. Vas-y, je vais essayer de avec ça. On va voir comme ça déjà le défi de Mulan. Juste avant, je sais pas. Comment on le fait? T'es où, Mulan? Je sais pas. Obtenez vos récompenses auprès du sage. Putain, faut faire les quêtes les unes après les autres, quoi. Sinon, t'avances pas. Alors, tout prendre. Bien. Messagerie. D'accord. Donc là, on est dans la messagerie. Très bien. Oh la vache, il faut que j'ouvre mes contrats. Il me reste plus qu'un jour. Ok. Va falloir que je m'en occupe aussi pour pas les perdre. Ce serait franchement dommage. Ben, on va le faire. Je suis désolé, ça n'a absolument aucun rapport, mais il faut que je les ouvre. Donc on va les ouvrir, échanger. Ok, ouvrir. Il me faut toujours Maverick, hein? Ouais, Maverick. C'est qui? Ah, c'est Allison que j'ai eu. On continue. Ouais, super. Ben ouais, c'est génial. Allez, encore deux. Ok. Bon, ben très bien. Pensez-y à ces trucs-là, hein. J'ai complètement zappé. Il y a un petit pack à 1 euro là. Il y a des pommes d'amour à 2,39 €, mais ouais, on en a combien? 4. Putain, c'est cher. Et pack de Mulan. Oh, c'est quoi ça? Une ancienne relique donnée à Mulan pour combattre à nouveau dans l'arène. Ah, ouais, c'est une espèce de bonus, quoi. C'est un peu comme si vous utilisiez des rations sur une zone, ça reset là. Il est temps d'affronter Nian. Ah. Ah oui, c'est vrai, il y a lui aussi. Buvons du thé pour que le temps passe plus vite. Mais moi, je vais aller voir Mulan. Tu sais que, d'après un ancien chant, Nian. Eh oui, parce que la fourmi veut pas donner son Nian. Installe-toi. Ouais, mais j'ai pas le temps là. Vous avez passé du domaine du soleil au domaine de la lune. Ah, la nuit va tomber et les ennemis seront plus forts. Si vous avez une progression ici, vous allez la perdre. Voulez-vous changer l'heure? Hein? Il y a un mode hard. D'accord. Non, mais t'es bien gentil, c'est pas la question, mais. Ben ouais, parlez à Mulan, elle est où Mulan? Ah ben là voilà, je pouvais pas te parler. Tu veux nous montrer ta force? Bon bref, tu moi je. Non mais. Mais n'oublie pas que je peux pas faire la reine. Quand tu veux commencer, appuie sur le gong. Et alors c'est quoi? Sonner le gong. Ouais d'accord, mais c'est qui qu'il faut tuer? Parce qu'il y a des zombies spéciaux, je crois. Ah non, c'est tes gars que je dois tuer? Non mais je veux pas les tuer. Ils sont sympas les gars, je veux pas les. Franchement, je veux pas leur faire mal, quoi. Bon, bah ils vont mourir, hein. T'es prévenu, hein. Mais combien, lui? Je sais pas. Ouah! Ah, il me fait déjà un peu plus bobo, là. J'ai faim. Il est en train de me mettre la tenue HS. Allez, voilà. Oh mais non, mais je voulais pas me battre contre toi. Ah ouais, d'accord, il nous fait la panoplie complète des armes. Comme tu veux. Pour l'instant, on est hop sur une machette, voilà maintenant. Ah, elle se régène un petit peu. Allez. T'as perdu. La prochaine fois, je serai prête. Ah, je suis désolé, mais non, t'étais mauvaise en fait là. Et alors? Tu sais te battre. Va voir le mannequin pour choisir les récompenses. Bien. À chaque ouverture, vous obtiendrez un objet commun garanti. Gna, gna, gna. Ok, donc on peut avoir cette fameuse machette Yan Yue Dao et le Guandao. Ok.
Vas-y, ouvrir. Ah, il est super bon. Non, c'est cool. Et franchement, j'aime bien cette arme. Merde. Elle est jolie, hein. La machette modifiée, là, elle est vraiment jolie. Elle est stylée. Bon, alors, qu'est-ce que tu me dis, toi? Tu veux me faire un mode hard? Je suis pas prêt, hein. En plus, j'ai ma tenue, elle est v'la pété, quoi. Enyan, il est où? Donc, à débloquer plus tard, à débloquer plus tard. Participer à la cérémonie du thé. Je connaissais plein d'histoires, mais ma mémoire flanche. Donc là, il fait nuit. Bien. Allez au domaine de la lune. Bon, on y va. On va voir hein, ce que ça donne. C'est ça? Ah ouais, domaine de la lune. C'est la même zone, mais ils ont changé le nom. Attendez, je vais checker ma messagerie vite fait. Voir si j'ai pas une petite tenue là qui. Ben voilà, tiens. 1, 2, 3, 4. Hop, hop, hop. Courir. Tac. Alors, donc là, on est retourné de nuit. On est en mode hard. Et le chemin, a priori, a un petit peu changé. Ouais. Donc là, je pense par contre qu'il va peut-être falloir. Ouais, mais c'est ça en fait. Il va falloir l'épée là. Si je dis pas de bêtises, on va. Merde. Oh. Ouais. Alors, ils sont plus résistants, mais ça reste largement jouable. Hein. Franchement. En plus, là, je les ai aggro comme un boulet tous. Ok, ils sont un petit peu plus résistants. On a la possibilité de le faire deux fois, du coup, par jour, apparemment, le truc. Ça, ce serait vraiment top. Qu'on puisse faire l'event, je parle sans être obligé d'utiliser des rations. Après, est-ce qu'on peut faire l'event en mode normal, d'utiliser les rations 5 fois, puis ensuite de basculer en mode hard et de réutiliser les rations 5 fois? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, pouvoir déjà faire l'event deux fois par jour, bah, je trouve que c'est plutôt cool. D'avoir mis un petit mode hard, c'est plutôt sympa aussi. Ça change, hein, clairement, c'est sympa, ça fait tester aussi ces nouvelles armes. Maintenant, bah, j'ai pas l'impression, en tout cas, que ce soit. Sur ce type de zombie-là, que l'arme soit la plus efficace, puisque vous voyez, là, les armes de mêlée classiques suffisent largement, quoi. Lancer un feu d'artifice. Allez! A few moments later. Un deuxième ici, très bien. Boum! Tuer Nian. Ah! Tuer Nian. Ok. On va aller les tuer. Alors, on va se mettre comme ça. Tac. Tac. Non, je veux pas. Non, non, je veux pas monter. Et tac. Là, le coffre. Et pourquoi je peux plus prendre ça? Bon alors il est où Nian? Allez montre-toi. J'ai un truc là. Oh une friandise. Merde. Attends, attends, je reviens. Bouge pas. Hein? Ah ouais, donc alors, hop. Hop, je vais prendre le Glock pour le Nian. Je sais pas trop. Il est là. Bien. Et comment j'y accède? Par l'échelle, j'imagine, là où j'étais tout à l'heure. Ah non, d'accord, ils m'ont montré le chemin. Très bien, merci les gars. Eh, franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Après, 10 jours, c'est bien. 10 jours pour récolter suffisamment d'items pour up la réputation. Je pense, au vu des derniers events, que ça paraît jouable.
Je pense aussi qu'il va pas trop falloir non plus perdre son temps quand même, mais non, ça me paraît tout à fait jouable. Alors là, est-ce que je vais lui faire autant de dégâts que ce que je faisais aux autres, ou est-ce qu'il va falloir vraiment que je sorte une arme spécifique? Je ne sais pas. On va essayer. On va voir avec des machettes déjà dans un premier temps. Ma tenue, elle est au tiers de vie, ok. Est-ce que j'ai d'autres armes de mêlée après? Non, mais bon, 900 points. Vas-y. 18. On va voir, hein. Tiens, j'ai mes soins personnels. Mon soin auto. Ouais. Pour l'instant, je lui mets du 18 de dégâts. Ça se passe très bien, ma foi. Lui, il me met du 12. On verra quand ma tenue va lâcher combien il va me mettre, mais pour l'instant ça va. Bref. Eh, franchement, je vais pas dire que c'est cadeau, mais on en est quand même pas loin. Hein. Et là c'est le mode hard. Hein. Vous activez le mode auto et puis voilà quoi. Donc ça ok, et j'ai un petit coffre ici, très bien. Et c'est tout bon, hein? Retourne dans le jardin caché. Bah ouais, c'est tout bon. Allez, on se remet un coup de soin. Comme ça, je peux prendre l'ensemble du blé. Et puis, nickel. Voilà. Alors. Parler au sage. J'ai envie de dire parler à Serge. Je sais pas pourquoi. La fatigue, sûrement. Tu as restauré l'harmonie. Mais ce n'est que temporaire. Seuls les esprits du bien... apporte plus d'offrandes à l'autel du rituel et les esprits banniront Nian. Bien. Et c'est tout. Eh bien, soit. Alors, qu'est-ce que je vais te donner du coup? Donc là, on était à 150 points a priori hein, sur le premier niveau. Ok. 160 sur le deuxième. Merde, j'ai zappé un. Et ça, ça donne 400 points. Ouais, je suis niveau 5. Bien. Est-ce que je garde. Je sais plus combien c'est les bols de riz du coup. 30 points. Bon, a priori, j'ai pas besoin de les garder de toute façon. Il y avait. Par contre, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de timer sur le bol de riz. Est-ce que ça veut dire qu'on va pouvoir le garder après? Je ne pense pas. Ou est-ce que ça va rester dans les messageries comme... je sais pas si les sucettes là qu'on avait eues sur les derniers events... moi je sais que j'en avais plus hein, en messagerie, mais est-ce que les joueurs qui en avaient gardé les avaient conservées? Je ne sais pas, je ne sais pas. Bon bah écoutez, dans tous les cas j'en suis pour l'instant niveau 5, on va aller péter... on va aller faire péter le niveau... le niveau 6 quand même, hein, ce serait sympa. Alors attendez, c'est combien? 3 points. Ah ouais, donc j'ai le temps. Encore. 80. 19 points. 19 points pour 3 points. Ça fait 6. Allez, 5. Plus que 14. Donc plus que 7. Non, non. 3 points. 4. Et 3. Hein? Je t'ai donné 3 B. J'aurais dû avoir 9 points. Hein. Ah non, c'est 1 point. Ah, mais c'est 1 point par maïs. Putain, c'est pas 3 points par maïs. Voilà, niveau 6, nickel. Bon, le reste, je vais le transformer quand même en bol de riz. Ça rapporte largement plus, à mon avis, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, bah, passer des pubs, hein, c'est fait pour ça aussi. Passer des pubs pour pouvoir vous faire un peu plus rapidement quand même des bols de riz si vous n'avez pas le temps d'attendre quoi, ou de checker toutes les 20 minutes si le truc est plein. D'ailleurs, en parlant de ça, peut-être que depuis, ça m'en a filé quelques-uns. Je vais regarder. Donc là, ok. Non, j'en ai toujours qu'un. Ouais, bon, bah, on va rester là-dessus. Et donc, on va regarder les récompenses. Et ensuite, eh ben, écoutez, ce sera tout bon pour la vidéo. Dans tous les cas, bah, on se retrouvera très bientôt. Hein. Je vous ferai de temps en temps des petits épisodes pour l'avancée dans cet event. Quand je dis de temps en temps, ce sera, allez, on va dire peut-être toutes les 48 heures, 72 heures, quoi. Histoire de... ah, j'ai gagné le vinyle. Ça, c'est cool. C'est cool. Voilà. Bon, bah écoutez, plutôt sympa. Plutôt pas mal, ce petit event. Les récompenses sont plutôt satisfaisantes aussi, je trouve.
De manière générale, pour les nouveaux joueurs, c'est assez facile. Donc là, il y a moyen de se mettre bien au niveau du stuff quand même. Pour les anciens joueurs, et bah forcément, eux, ce qui va les intéresser, ça va être les skins, les nouveaux skins, bien sûr, mais également le plan de module du drone. Pour le reste, je suis pas convaincu qu'ils aient. Je parle des anciens joueurs, hein, je suis pas convaincu qu'ils aient vraiment besoin de tout ce qu'il y a d'autre, à part les skins, encore une fois, je vois pas trop ce qui pourrait les intéresser, même si c'est toujours bien de prendre de l'acier, de prendre de l'alu, de prendre des badges bleus, le vinyle évidemment, et puis bien sûr cette nouvelle petite arme là, qui fait quand même plaisir, c'est cool, et ouais, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt pas mal. Bon, bah écoutez, voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, on se retrouvera donc très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo, et pour ce qui me concerne, et ben je vous dis donc à bientôt. Ciao!